Bonjour! Me voici dans un style totalement gothique pour cette nouvelle vidéo. Car en fait, aujourd'hui, je vais relooker Gaëlle Garcia Diaz. Puisque cette personne elle-même m'avait invité il y a quelques mois sur sa chaîne afin de me relooker. Aujourd'hui, c'est mon tour. Donc, je vais faire appel à cette petite chouin, comme elle le dit elle-même. Bonjour! Ça va? Bonjour, Nathalie. Attends, je t'ai mis du rouge à lèvres, c'est pas grave. Cette manucure, elle est incroyable. Ouais, écoute, regarde. Tu m'as dit un truc un peu rose, un peu cute. Oui. Je me suis fait plaisir. Pourquoi du rose? Pourquoi du cute? Parce que toi, quand tu m'avais invité, tu m'avais relooké dans un style, on n'a pas l'habitude vraiment de me voir dedans. Enfin, du rock. C'est vrai. Tu voulais me pimper un peu en chouin. C'est ça, j'ai voulu te chouintiser. Voilà, rock babe. Et moi, j'étais pure innocente. Je savais pas ce que ça voulait dire, une chouin. Et après, on m'a expliqué. Du coup, je vais me venger aujourd'hui. Je vais te concocter un look qui n'a rien à voir avec ce que tu mets d'habitude. C'est un look kawaii. Yes. Toi qui es si innocente, si romantique, si polie. Il n'y a que des roses qui sortent de ta bouche. Et de mon cul. Du coup, je me dis, ça va vraiment matcher avec toi. Moi, je suis pas sûre, mais bon, j'ai hâte de voir ça. Mais attends, t'as acheté tout ça, meuf? Bah déjà, je réexplique le concept du truc. Toi, tu m'avais invité et tu m'avais relooké avec des pièces uniquement trouvées sur le site United Wardrobe, qui est un site où on peut trouver des vêtements, des accessoires et des chaussures d'occasion ou neufs. Même des accessoires pour chiens, des vêtements pour chiens et tout ça. Du maquillage, de tout. Et aujourd'hui, du coup, c'est moi qui ai dû trouver, dénicher plein de choses pour toi sur ce même site. Et j'ai relevé le challenge, je pense, avec brio. Tu t'es fait plaisir. C'est de l'impro total, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je n'ai même pas eu le temps de re-regarder les articles, donc je pense qu'on va bien rigoler. Okay. Là, on va commencer par un peu d'ASMR. Arrête, ça m'excite un petit peu. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai ma baguette magique, ma baguette kawaii, qui sera là pour te transformer à chaque fois. Parce que c'est vrai que moi, je me planquais derrière le canapé, c'était une perte de temps. C'était nul. C'était inintéressant, franchement. C'était nul. Quelle idée de laisser sans mon temps. Je vais en cabine. Prends ton temps, Nat. C'est un moment long et chiant. C'est moi qui l'ai bousillé. Mais non. Mon montage. Oh. On est dans. Alors, je vais te montrer d'abord la première tenue à laquelle j'ai pincé. Alors, j'aimerais te faire mettre cette chose pailletée. Ah oui. Oh my god. Non, c'est kawaii, ça? Ouais, c'est kawaii. On va l'accessoiriser, tu vois. Okay. Baguette magique. Kawaii. Et voilà. C'est merveilleux. Tu aimes? Écoute, on a un souci technique. Mais tu peux pas l'enfoncer. Mais ça fait super mal, ça. Mais parce qu'elle serre-tête. Alors, j'aimerais que tu montres le dos de la veste. Franchement, je pensais pas que j'allais le dire, mais ça, c'est plutôt cool. Et oui, c'est customisé. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont customisées sur le site. La dernière fois, tu m'avais trouvé des baskets qui étaient peintes. Ouais. Attention, la grâce. Pardon. Petit sac à main. C'est pas du tout mon... Ça, par contre, je n'adhère pas du tout, quoi. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir le revendre sur ton compte. Ça s'achète, ça? Ben moi, je l'ai acheté, donc oui. Et je te rappelle que je suis une personne avec beaucoup de goût, comme on peut le voir aujourd'hui avec cette tenue. Ah oui, attention, détail important. Les chaussures. Mais ouais, meuf, tu m'as rien mis là. J'ai mes vieux pantons dégueulasses. Je suis pas rasée. C'est atroce. Comment tu fais ça pour écarter tes doigts de pied? Et toi, là? Tu peux tuer quelqu'un avec ses pieds. Alors, du coup, on va habiller ses pieds. Ouais, t'as pas des petites chaussures un peu cute? J'ai trouvé cette petite merveille qui te correspond tellement bien. C'est ignoble. Mais non, elles sont mignonnes, regarde. Kawaii! Laissez dans la barre commentaire votre avis concernant cette première tenue. Est-ce que cette tenue vous plaît? Tapez 10 sur 10. Si elle vous plaît moyennement, mettez 5 sur 10. Si elle ne vous plaît pas, allez vous faire... mettez à foutre. Oui, parce que moi je trouve que comme c'est réussi. Oui. Non, calme pas. Eh ben c'est pas fini, Gaëlle. Ah, ok. Deuxième look, kawaii! Et voilà! Tu es heureuse, Gaëlle, d'être ma petite poupée kawaii aujourd'hui? Non. Ça se voit. C'est quoi, c'est godasse, c'est super lourd. Mais c'est pailleté, c'est beau, c'est argenté, c'est tout toi. T'aimes pas? Ah ben voilà, dès que c'est pas des vêtements de chouin, tout de suite on n'est pas contente. Hein. Tu veux quoi, des strings? Ouais. Eh ben y en a pas. Attends, par contre, je trouve que cette petite ceinture, elle est cool. Elle est vraiment cool. Ça va, mais c'est ce que tu me rajoutes en fait. Nat, qui va pas du tout. Mais je ça, te dis, ça va pas. Ça, c'est atroce. Moi j'adore. En plus, c'est les tiennes, celles-là. C'est mes préférées. Elles sont lourdes. Vraiment en train de me dire que j'ai des goûts de chiottes. Mais crache-moi dessus, vas-y.
Elle a eu un moment d'hésitation. Non, mais écoute. Mais c'est quand même pas très confortable. En fait, moi, je trouve que l'ess, il se mord, tu vois. L'essentiel, c'est la tenue que j'ai trouvée avec cette petite ceinture et les chaussures. Non, non, pas les chaussures. Ça, tu peux enlever si tu veux. Mais moi, j'aime bien. Moi, les miennes sont très lourdes aussi. Ouais, mais celles-là, elles sont cool. On s'y habitue. Ça, c'est pas stylé. Et en plus, ça peut muscler un peu le fessier. Ça, c'est pas faux, ça. Et du coup, je suis un peu plus grande. Mais ça te va terriblement bien, par contre. Je suis contente. Elle aussi, visiblement. Je suis en train de te transformer. Tu vas être une nouvelle femme. Oui. Oui, une nouvelle femme. Toute mignonne, toute polie. Bi. Pardon ? Oui. On va passer tout de suite au troisième look. Kawaii ! Ça va, Gaëlle ? Meuf, c'est horrible. On dirait une vieille de 45 ans qui s'assume absolument pas et qui est au premier rang au concert de Lady Gaga. Comme ça. Tu détestes à ce point-là ? T'es magnifique ! C'est incroyable. Oh là là, t'es tellement mignonne. Comme quoi, il y avait un peu de mignonnerie qui bat dans ce... Oh, cette énorme paire de nichons. Oui. Mais t'aimes bien le rose quand même ou pas du tout ? Mais attends, figure-toi que ça, par contre, c'est à mourir de rire. C'est incroyable. Regardez, c'est un petit bustier bisounours en fourrure. Tu dois avoir très chaud, d'ailleurs. C'est atroce. Non, c'est très beau. Ah non, la chaleur, tu veux dire ? Oui, la chaleur est insoutenable. Tu vois les gouttes de sueur entre les nichons, ben, ils sont... épongés dans les yeux du bisounours. Pardon, mais je peux pas m'empêcher de te côté. Je sais pas pourquoi. Bonjour, il y a des gens qui nous regardent. Circulez, s'il vous plaît, il y a rien à voir, ok ? Je vais montrer les chaussures. Meuf, il y a encore l'étiquette dessus. Elles sont neuves. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, la nana m'a dit qu'elle taillait petit, du coup, c'était pas sa taille. Et normalement, elles sont à 100 euros, là, elles étaient à 80. Ah ben toutes voilà. Neuves. Des petites files là. Attention, t'as remarqué les chaussettes ou pas ? Les chaussettes, c'est trop cute. Des petites chaussettes avec. Mais ceux qui sont nés en. Dans les années 2000 ne pourront pas comprendre, en oui, fait. Oui, c'est un truc de vieille. En fait, on était beaucoup plus jeunes, bah, vers 10 ans, non ? Moi, j'avais. À la boulangerie, on pouvait s'acheter des petites tétines comme ça de toutes les couleurs et du coup, on les portait vraiment sur des chaînes. Des chaînes. Ou plusieurs, une seule. Il y en avait des plus grandes. En bracelet, ouais, c'était fou. Un petit revival. Il y avait ça et bien évidemment. Il y avait trois choses en fait. Il y avait les flippos, il y avait ça et il y avait. Les babies ? Non, les trolls. Pops. Ah, les trolls. Il y avait les trolls et aussi le. Eh bien attends, et le premier truc que dit que c'est quoi ? Les flippos ? Ouais, c'est quoi ça ? C'était des petits trucs ronds et il fallait. C'était le jeu des flippos ? Ah, des puces ! C'est un truc souple, ça ressemble à. C'est ça, et il fallait faire comme ça et ça sautait. Ouais, nous c'était les puces. Ah, nous c'est des flippos. On partage un truc culturellement. Mais ouais, mais qui n'a pas du tout le même nom, c'est incroyable. On vient de découvrir quelque chose, Nathalie. Team flippo, team puce ? Dites-nous dans les commentaires. Prochain look. Kawaii ! Meuf, on dirait une version ratée de Chun-Li, sans aucune compétence de combat. La violence, c'est pas bien, Gaëlle. Tu vois, toi, t'es plus dans la douceur maintenant, t'es une nouvelle femme. Toute douce, toute câline, toute mignonne. C'est horrible. Par contre, ce que vous n'entendez pas derrière votre écran, c'est ce bruit-là. Montre les belles boucles d'oreilles, parce qu'on les voit pas derrière les petits nœuds qui te cachent les oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles en forme de sucette. Oh, c'est trop mignon. Annie aime les sucettes. Oui, la chanson des sucettes. Les sucettes d'Annie. Elle parle vraiment de sucettes, de sucreries dans cette chanson. Et j'aime beaucoup cette chanson, du coup. C'est tellement mignon. Arrête. Alors attention, oui. Le sweet. Attends, on est quand même sur quelque chose d'étrange. Ça, quand il pleut, vous êtes pas mouillé du ventre. C'est le pare-brise ventralier. Et si tu perds les os, pareil, le ventre est au sec. Ou une soirée un peu olé olé. On ne sait jamais. Tu vas toujours trop loin. Donc là, c'est molletonné. Là, il y a un effet de transparence. Et attention, ça, c'est une robe Marie, donc Disney. Incroyable. C'est la marque Black. Tu souilles toujours tout, Gaëlle. Et on a gardé les petites baskets qui vont très bien avec franchement, ça. Franchement, la classe. Ça passe avec tout, en fait. Mais en fait, je vais les garder, si je peux les garder, celle-là. C'est pour toi, imbécile heureuse. Enfin, j'ai terminé de te pimper. Après, il y avait tellement de trucs. Mais c'est exagéré. On passerait 4 heures, en fait. C'est ridicule. Mais je peux montrer des petits trucs en plus. Genre, ça, c'est classique. Des oreilles de Mickey, il y en a plein. Des masques pour dormir. Je vais me le garder, je pense. Non, il est cool. Quand je prends la vie. Oh, le diadème. Une pochette licorne classique, un basique. Je montre un petit peu ce qu'il y avait derrière. Moi, je mets tout. Des petits pulls pailletés, un t-shirt argenté, un t-shirt qui te rappelle qu'il faut manger des bananes pour le potassium. Oh, ça, c'était dingue aussi. Une jupe avec de la tulle et dedans, t'as des fleurs qui bougent. Waouh, et ça, c'est génial. C'est cool. Ça, je vais mettre tout de suite. Et cette chemise lumière. Tu aimes bien, tu apprécies ? J'adore.
Là, c'est subtil, c'est bien. On est sur quelque chose de simple et raffiné. Voilà. Là, on se croirait à Tokyo, hein. Un petit chien. Yes. Ah, attends, parlons de chien. Kawaii! Et voilà, tout le monde est content. Regardez le visage de Kitty. Les personnes que j'ai déguisées, habillées sont heureuses. Dis-lui que t'es pas contente. Ah, voilà. C'est ça, ma fille, ça. Tu es libre, vole, petit oiseau. Voilà, il y a ce genre de bêtises aussi qu'on peut retrouver sur le site. Le topo, tu es heureuse? Excessivement. Je suis trop contente d'avoir porté ce moment. Mais écoute, ce qui est bien, c'est que, bah, en fait, je suis maintenant persuadée que je déteste ce style vestimentaire. Ah, je pensais que ça t'avait ouvert les yeux sur quelque chose. Non, pas du tout. Je trouve ça nul à chier. Moi, j'avais bien aimé que tu m'avais trouvé. Je pensais que ça aurait été... Ouais, parce que j'ai du goût, Nathalie. Je m'y connais. Je t'ai acheté des choses, voilà, que tu peux porter dans la vie de tous les jours. T'es sérieuse. Voilà, cette vidéo est terminée. Enfin, touche pratiquement à sa fin parce qu'il y a une petite surprise de oui, fin. Oui, il y a un cadeau. En tout cas, j'espère que voilà, ces petits accessoires, peut-être pas mis tous ensemble, vous auront plu, vous auront inspiré. D'ailleurs, moi, j'avais trouvé tout ça en tapant juste le mot kawaii ouais, dans la barre de recherche. Ça, c'est lourd. Tu peux vraiment chercher des thèmes, en fait. Moi, je mets metal, black, hell. Ok, moi, c'était vraiment genre pink, rose, paillettes, okay. Glitter. La merde. Ok. T'as aucun goût. Ton âme est noire. Mais je l'ai vendue au diable. Je vais vous mettre un lien dans la barre de description. Si vous vous inscrivez sur le site grâce à ce lien, vous aurez 5 euros de remise sur votre premier achat. Ce qui est plutôt cool. Bah, il y a plein de trucs à 5 euros en fait sur United. Oui, c'est vrai. Petite info, petit 5 balles dans la poche. Oui. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le compte de Gaëlle sur le site et aussi mon compte à moi que je vais créer. Du coup, bah, pour revendre les choses que tu n'auras pas gardées. Du coup, il y aura la totalité des articles de cette vidéo aujourd'hui sur mon compte. Qui ouais. veut ces magnifiques petites Attention, sandales lapine. Il n'y en a qu'une paire. Du 38, c'est une affaire. Et la petite surprise, Gaëlle, puisque je vois bien qu'au fond de tes yeux, tu es transformée. Je le vois, ça pétille. Il y a un feu d'artifice de joie et de douceur. Et du coup, je me suis dit, eh ben, et si on chantait une chanson ensemble? Une chanson kawaii. J'ai tellement hâte. Mais oui, je t'ai préparé un fond vert et on pourra rajouter plein d'arc-en-ciel et des licornes et ça va être trop bien, on va trop s'amuser. T'es prête? Oui! On est des filles trop mignonnes. Je dirais même qu'on est bonnes. J'aime les licornes et les chats. Moi le porno et les chattes. Monte dans notre bus magique. Même le chauffeur à la trique. Je cours sur des arcs-en-ciel. Et moi sur un nuage sperme. Excuse-moi là, je voulais juste... T'es obligée de tout souiller là, comme ça, tout le temps. On n'est pas sur ta chaîne de dégénérer en fait là. Ah non, excuse-moi. Je suis désolée. Je vais faire des efforts, je suis désolée, excuse-moi. Allez, viens. Ouais, fais-moi un câlin, s'il te plaît, excuse-moi. On termine la chanson? Ouais. De manière mignonne? Ok, promis. Regardez, j'ai fait des nouilles. Ramène ici tes grosses couilles. Non mais Nat! Pute, pute, salope, salope, pute, pute.